Oui, je sais que j'ai oublié d'allumer la lumière qui prend toute la place sur l'écran. Désolé. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes amis, nous allons, entre guillemets, réhabiliter ce pauvre MacBook Pro. Alors, je sais qu'avec cette vidéo, c'est un petit peu bizarre qu'elle pop comme ça sur la chaîne, mais en fait, cet ordinateur, il appartient à un des membres de ma famille et ce membre trouve que la batterie est un petit peu moyenne et puis que les performances sont un petit peu moyennes. Tout simplement parce que c'est un MacBook Pro de 2009, donc ouais, il commence vraiment à dater. Et du coup, je fais cette vidéo tout simplement parce que je sais que ça peut arriver assez souvent qu'on récupère ce genre d'ordi pour quasiment rien. Aujourd'hui, les gars, je vous montrer qu'on peut avoir un plutôt bon ordinateur pour tout ce qui est bureautique ou des trucs comme ça, vraiment snappy pour pas grand chose. Donc aujourd'hui les gars, nous allons upgrader plein de trucs dans ce MacBook Pro. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le logiciel Uniconverteur de Wondershare. Ce logiciel très pratique va vous permettre de télécharger, de convertir et de traiter les médias internet que vous voulez. Vous pouvez par exemple télécharger une vidéo YouTube dans le format que vous voulez très facilement. Ce logiciel disponible sur Mac et Windows va aussi vous permettre d'enregistrer votre écran, de convertir des images, de compresser des vidéos, de ripper des CD et bien plus encore. Le fait de pouvoir également convertir des vidéos dans d'autres formats est également très pratique d'ailleurs. Enfin bref, si un logiciel comme celui-ci vous plairait, eh bien je vous ai mis les liens pour aller voir ça en première ligne de la description de la vidéo. Bon alors aujourd'hui les gars, j'ai sorti les grands moyens, donc la caméra principale, j'ai cette caméra secondaire, et vous l'entendez peut-être au micro malheureusement, cette caméra tertiaire, voilà, juste ici. Vous pardonnerez mes setups honteux, de toute façon c'est l'habitude sur la chaîne. Hein. Bon, donc comme vous le voyez ici, eh bien j'ai mes kits d'upgrade, donc j'ai une batterie toute neuve, j'ai donc des petits tournevis, et j'ai 8 Go de RAM. Alors bien sûr, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce MacBook Pro a déjà été upgradé dans le passé, puisqu'en effet, le précédent propriétaire a déjà mis, en fait, un SSD dedans, et en plus c'est un SSD Samsung, alors c'est un vieux SSD. Hein. Ce SSD date beaucoup, et il est pas super performant, mais honnêtement, ça a déjà beaucoup rajouté à la vitesse de la machine. Actuellement, ce MacBook Pro est donc équipé de 4 pauvres gigas de RAM et surtout d'un Core de Duo. C'est là où je vous dis que c'est un peu moyen. Mais quand on y réfléchit bien, un Core de Duo avec 8 gigas de RAM et un SSD, c'est pas si mal pour de la bureautique slash regarder des vidéos sur internet, etc. D'ailleurs, cet ordinateur d'habitude s'en sort plutôt bien, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que la personne qui a cet ordinateur est ce qu'on peut appeler dans le jargon un boomer. Et le problème avec les boomers, c'est que quand ils utilisent leur ordinateur, ils laissent ouvert toutes les applications tout le temps en permanence. Ce qui donc malheureusement fait en sorte qu'au bout d'un moment leur debug avec 4 Go de RAM, ça commence à être limite. C'est franchement dommage car cet ordinateur est finalement vraiment pas dégueu. Dans les MacBooks qui sont sortis en 2009, celui-ci est le modèle 2,53 GHz, donc le modèle le plus rapide, ce qui est vraiment un plus au final. Et honnêtement, bah, ces MacBooks qui tiennent encore vachement bien la route, hein, surtout après une upgrade. Bon ok, l'écran est peut-être pas aussi bien qu'un Retina, mais l'expérience du clavier par exemple tient encore super bien la route, même une décennie plus tard. Ah oui, cet ordinateur a aussi quelques soucis d'overheat, parce que oui, la machine elle vieillit, fallait s'en douter un petit peu. Donc voilà, normalement, waouh, magnifique. Alors je suis déjà passé dedans il y a quelques semaines, voilà, pour regarder ce qu'il y avait dedans. Et donc comme vous pouvez le voir, bon c'est un petit peu poussiéreux, mais voilà, on a notre carte mère, notre RAM, la fameuse batterie à changer, le fameux SSD Samsung, et enfin notre Super Drive, bien évidemment. Et ce que je vais faire, je sais pas si ça va fonctionner, parce qu'officiellement cette machine elle supporte que 8 Go de RAM, je vais essayer de garder une des barrettes de 2 Go et de mettre en plus celle de 8 pour faire 10. Alors vous allez me dire, ouais mais le dual channel, machin. Quoi qu'il arrive, c'est soit je mets une barrette de 8 et une barrette de 2, soit une barrette de 8, donc il n'y aura jamais de dual channel avec cet upgrade. Alors moi perso, ce que j'aimerais faire, c'est déjà commencer à peut-être enlever le cooling fan, parce que je pense qu'il y a pas mal de poussière qui s'est foutue là-dessous pendant toutes ces années. Et ce truc chauffe. Tout à l'heure, je l'ai juste allumé genre 5 minutes juste sur le bureau. L'aluminium était déjà chaud, je comprends pas. Je vais déconnecter la batterie, donc désolé, je suis pas sponsor iFixit, mais voilà, je viens de le faire. On avait dit remove du cooling fan. Normalement, la poussière n'a jamais été faite dans cet ordi, donc là, je sais même pas ce qu'on va y découvrir. Des dust bunnies. Alors en vrai, c'est pas si pire que je l'imaginais. On a bon voilà quelques on a un petit peu de poussière dedans, mais globalement ça va, je trouve. Pour autant d'années de bons et loyaux services, franchement il n'y a pas trop de poussière. Alors je sais que la pâte thermique pourrait être à refaire, mais j'en ai plus. Voilà, je suis désolé, j'aurais bien voulu le faire, j'en ai plus. Du coup je vais amener mon fidèle ami la poire à lavement. Je vous rassure, c'est pas pour le cul mais pour les oreilles, et surtout voilà, je vais pouvoir enlever un peu toute cette poussière un peu infâme. Et le ventilateur est pas si mal honnêtement. J'aurais vraiment pensé que c'était pire que ça, n'empêche. Donc ça déjà, ça devrait aider avec les performances de cooling. On va le replacer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est donc que je vais enlever un des sticks de RAM. Alors pour ça, bah voyez, là, je les pop comme ceci. Donc voilà, là j'en ai un de 2 et normalement j'en ai un de 2. Voilà, donc on a bien notre stick de 2 Go. Et on va en mettre un de 8. Alors très honnêtement, j'ai pris la moins chère possible sur Amazon. Hein. C'est vraiment la pire RAM avec la même fréquence que ce qu'il y a déjà là-dedans, bien sûr. Et du coup, on se retrouve avec une TimeTech de 8 Go. Voilà, bon bah je sais pas ce que ça va donner. Faudrait peut-être que je rebranche le ventilateur. Aussi. On aligne la notch pour la RAM et normalement j'ai juste à la mettre là-dedans, à pousser gentiment et à
clac, voilà, RAM installé. Maintenant, bien sûr, on est là de base pour la batterie. On va pouvoir faire le fameux pile, toujours la partie la plus satisfaisante. Là, il y a marqué Design by Apple in California, et là, c'est pas marqué, donc c'est pas une officielle Apple. En même temps, pour le prix que je l'ai payé, c'est-à-dire une 20aine d'euros, je m'attendais pas à grand-chose. Hein. Oh, il y a un broken tab. Ah oui, d'accord, il y a un broken tab pour retenir la batterie, c'est con ça. Donc oui, d'ailleurs, ne faites pas ça, n'achetez surtout pas de batterie qui coûte rien. Là, c'est parce que cet ordi est un peu en fin de vie quand même. Mais ne le faites pas, hein, parce que c'est très déconseillé si vous devez remplacer une batterie. Hop là, miam miam miam. La bonne vieille batterie. Donc on a une vision incroyable sur le trackpad, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse, c'est de mettre cette nouvelle batterie. Donc c'est plutôt simple, hein, voilà, vous glissez ça là-dessous. Bien sûr, il y a une vis qui est plus grande que l'autre, hein, merci Apple, donc il faut bien faire attention. Et hop là, voilà. On n'a plus qu'à brancher la nouvelle batterie. Bon, du coup, on va le tester. Donc c'est parti, voyons ce que ça donne. Il fallait s'en douter. Cette machine ne supporte que 8Go de RAM maximum. Je vais devoir enlever la deuxième barrette, malheureusement. Je m'en doutais un peu, je vais pas vous le cacher. Hein. On réouvre. Toi, tu vas venir par là, donc. Mais surtout, très important, toi aussi. J'aurais peut-être dû le faire quand il n'y avait pas la batterie, parce que là, c'est quand même pas très facile. Tac, voilà. Et en toute logique, si c'est pas la mémoire qui est merdique, je devrais avoir un bong. J'aime pas quand ça fait ça. J'aime pas quand c'est pas planifié. Ça fait chier. Ça fait chier beaucoup là. Il a pas envie. L'ordi n'a absolument pas envie. Coopératif, pff, je connais pas. Pourtant, je suis pas fou, j'ai bien pris. C'est la même chose, hein. J'ai pris les mêmes RAM. Je n'y comprends rien. Je suppose que si je les mets dans le slot du bas, ça va rien changer. J'ai vraiment d'arracher un CMS. J'ai vraiment d'arracher un CMS sur la. La RAM. Opération inverse. Bon, on va retry sur batterie. Hein. C'est sûr qu'il est léger là, l'ordi. Hein. Non, ouais, ok. Pourquoi il n'accepte pas ma RAM? Soit la RAM elle est défectueuse à la base, soit cet ordi est casse-bure. Je crois que j'ai ma petite idée. Hein. 4Go de RAM c'est bien aussi. Hein. C'est vraiment largement assez pour tout ce que vous voulez faire au quotidien. C'est vraiment ça ne. Vraiment aucun besoin de plus de RAM. Pas pourquoi les gens ils font chier. Les gens, oh, non, non, 4Go de RAM ça ne suffit pas. C'est pas vrai! Jamais que je devienne réparateur, moi. Jamais, au grand jamais, de me laisser réparer quelque chose. Wouah! Bon, sans surprise, nous avons un boot. Ouais, ok, bon, bah alors, je sais pas ce que je vais en faire de cette petite RAM, là. Je sais pas pourquoi elle marche pas. Quand même, voir, moi, alors, cette fameuse batterie. Comptage de cycle 3. Comment ça, comptage de cycle 3? Je suis en train de me faire baiser la tronche. Bon, par contre, du coup, la batterie, elle a l'air pas trop mal. Et puis, bah, là, elle charge, hein. Bah, franchement, pour la RAM, je sais pas. Putain, mais c'est toujours des échecs, nous, quand on essaye de faire un truc. J'essaye de faire un projet. Je n'arrive pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est un MacBook Pro 5,5. Donc, bon, c'est pas non plus un. Très jeune, mais pas non plus un très vieux, et il devrait totalement passer en fait. J'ai regardé sur la page justement Amazon et ce modèle normalement passe, alors pourquoi il ne m'accepte pas même juste une barrette de 8Go? Ah, et petite précision, j'ai donc bien vérifié et ce modèle précis de MacBook supporte officiellement jusqu'à 8Go de RAM et officieusement 16Go. Bon, je comprends vraiment pas, sachant que la RAM que j'ai achetée c'est exactement la même fréquence et exactement les mêmes caractéristiques que la mémoire d'origine, donc c'est assez bizarre. Et bon, en continuant mes investigations, je l'ai mise dans un autre PC compatible DDR3 et lui non plus ne l'a pas détecté. Donc je suppose que c'était un souci avec la barrette en elle-même et donc je l'ai déjà renvoyé en SAV chez Amazon. Bon, étant limité dans le temps, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose malheureusement de plus. Voilà, au moins la batterie de cet ordinateur est repartie. Comme d'habitude, je vais pas vous montrer que les trucs qui fonctionnent, hein, la preuve. Ça fait quand même bien chier. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Normalement, c'est censé fonctionner, mais enfin. Écoutez, mes amis, c'est à moitié un fail, voilà. Je vais devoir sûrement renvoyer cette RAM parce que je comprends pas pourquoi elle veut pas fonctionner. Enfin, bref. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo un petit peu expérience vous aura plu. Et puis, bah, quant à moi, je vais vous dire salut à tous. Très bonne continuation. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Voilà. Allez, salut les amis.